Sem Nika Kovač, sem Slovenka, sem Evropejka in sem aktivistka. Elle est bluffante. Elle représente l'un des grands espoirs de la nouvelle génération en Slovénie. Du haut de ses 28 ans, Nika Kovač est la directrice de l'Institut 8 mars, une ONG qui lutte contre les inégalités de genre et économiques. Il y a 4 ans, cette jeune activiste est devenue l'une des précurseuses de la campagne Yes to D, l'équivalent du mouvement MeToo en Slovénie. Et elle est convaincue qu'il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Potrebno je spremeniti družbo, zato fajtamo dalje. Depuis 7 ans, Nika Kovač est partout dans les médias slovènes. Elle est la voix des femmes. Elle défend aussi les minorités, l'écologie et la démocratie. Que dire de plus sur Nika? Elle est attachante et authentique. Elle m'a aussi confié que parfois, elle avait peur de dire ce qu'elle pensait. Mais en fait, elle finit toujours par le faire. Pour décrire l'Europe, un mot lui vient à l'esprit. Dejstvo. D'après elle, l'Europe a le pouvoir de faire changer les choses. Et elle a décidé de porter nos idées de l'autre côté de l'Atlantique. Cette année, elle a été choisie par la Fondation Obama pour intégrer son programme de leadership destiné aux dirigeants émergents européens. Retenez bien son nom, Nika Kovač sera bientôt écoutée dans le monde entier.